Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Poco M4 Pro, donc le dernier de chez Poco. Alors déjà on va commencer de suite dans le vif du sujet. Oui, il y a 3 mois j'ai eu un Poco M4 Pro, enfin tout le monde a testé un Poco M4 Pro 5G. Alors c'est un peu dommage parce que honnêtement ça va induire le consommateur en erreur parce que du coup il existe deux Poco M4 Pro, un modèle 5G sorti il y a 3 mois et un modèle 4G qui sort maintenant 3 mois après et qui n'est pas du tout le même téléphone. Ça aurait été juste le processeur et la connectivité réseau qui change, ce serait trop simple. Non, du coup c'est plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment deux téléphones différents et du coup on va tester le modèle 4G maintenant. Allez, niveau tarif déjà, donc c'est un smartphone qui coûte 199€ prix de base en modèle 628 et 249€ en modèle 8256. Bien sûr, je mettrai comme à chaque fois des liens d'achat directement dans la description de la vidéo. Donc moi, c'est le modèle noir, on va commencer par les caractéristiques et le design. 73,3 de large sur 159,9 de haut sur 8,1mm d'épaisseur pour un poids de 179g. Un poids super léger, une taille de guêpe pour un téléphone qui a une prise en main juste parfaite, voilà. Bon, mis à part que je vais encore chipoter sur le fait qu'il soit un peu trop, tu vois, niveau arête et tout, un peu trop, un peu moins, si, bah, par rapport, il est un peu courbé sur les côtés à l'arrière de la coque. Voilà, un design plutôt qui se ressemble du Oppo Reno 6, qui se rapproche aussi du design de l'iPhone. On aime ou on n'aime pas, je trouve que niveau prise en main, surtout avec la coque, hein, je dirais, j'ai dit pareil pour le Poco X4, ça fait un peu une prise en main, voilà. J'aime bien quand c'est un peu arrondi. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai le message que je voulais vous faire passer, mais moi je me suis compris. Donc si tu aimes nos vidéos, fais un petit don sur Tipeee ou tu peux t'abonner simplement, ou si tu veux vraiment nous soutenir un peu plus, petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube, tu auras la possibilité d'acheter nos produits, plus avoir les vidéos en avance, etc., etc. Il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. Allez, on commence, on continue plutôt. Un écran IPS. Sacrilège. Sacrilège. Je couperai pas parce que c'est ma façon de faire. Moi je fais pas cut. Je fais... voilà, c'est tout le talent. Donc du coup, un écran AMOLED. Voilà, je rectifie mon erreur. Un écran AMOLED de 6,43 pouces, définition 2400x1080. Un écran qui monte jusqu'à une fréquence d'image de 90 Hz. Un écran qui a une luminosité de 100 nits, de 1000 nits plutôt, excusez-moi, 1000 nits. Bon, ça va, c'est plutôt correct. Hein, c'est du téléphone qui est à 200€, donc faut pas non plus lui en demander trop. Un écran qui est protégé par un film d'origine, plus qui a un Gorilla Glass 3. Donc dessus intégré. Et 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir que les bordures sont pas des plus fines, le menton n'est pas des plus fins. Bon, après on va dire, pour cette gamme de prix là, on va pas non plus lui jeter la pierre là-dessus. En dessous on aura quoi? On aura le type C avec un haut-parleur, double haut-parleur stéréo, haut-parleur en haut, haut-parleur en bas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus certification Dolby Atmos, que veux-tu de plus? Le téléphone est certifié IP53, ça veut dire qu'il a une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, donc ne le mettez pas dans l'eau, ce n'est pas fait pour. On va ouvrir le tiroir SIM et on aura le Master Combo, donc ça c'est plutôt exceptionnel et plutôt très bien. Exceptionnel non, mais très bien oui. Donc double nos SIM plus la possibilité de mettre une carte SD supplémentaire, que demander de mieux, c'est juste parfait. Au-dessus tu auras quoi? Ben voilà, le port jack qui n'a pas été sacrifié, donc le deuxième haut-parleur, plus le port IRC qui permettra, grâce à une application que tu auras pris sur le Play Store préalablement, une application dédiée, même il y a MUI qui le fait, c'est très bien aussi, c'est une application qui te permet de faire office de télécommande, ben, si tu veux jouer en classe, changer les chaînes de la télé, du prof, c'est pas ce que je dis, mais bon, ou embêter ton père, ou tout simplement, pour toi, tu veux pas te lever, tu trouves pas la télécommande, tu veux changer la chaîne, ben, tu peux faire ce que tu veux, et contrôler les appareils avec, c'est plutôt sympa. Sur le côté droit, tu auras le capteur d'empreinte ici, donc voilà, comme son grand frère, le X4 Pro. Donc c'est un peu moins préjudiciable, parce que sur un téléphone à 200€, j'aurais préféré sous l'écran, mais bon, ils l'ont mis sur le côté. Ça a l'avantage d'être moins design, mais plus rapide, voilà. Il marche plutôt très bien, donc pas besoin de faire une pression dessus, tu poses ton doigt à ça, déverrouille, et le volume plus moins. À l'avant, tu auras un appareil photo 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale associée au double tap, c'est plutôt superbe, ça te permettra d'économiser les boutons, tout simplement.
Voilà. À l'arrière, tu auras quoi? Donc une coque unie, un peu style miroir, plutôt sympatoche, avec cette grosse plaque Poco, comme sur le X4, et on aura triple appareil photo, mais on n'a pas la provenance. Donc un 64 mégapixels en principale ouverture 1.8, un 8 mégapixels grand angle ouverture 2.2, un 2 mégapixels pour le macro, ouverture 2.4. Voilà, le tout animé par un Mediatek, un Helio G96, avec un Mali J57 pour la partie graphique, une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 33 watts, le Bluetooth 5.0, et voili-voilou, on a fait le tour du propriétaire. Allez, on passe rapidement sur l'écran. Un écran AMOLED, hein. Magnifique les AMOLED. Il y en a qui sont pro AMOLED, d'autres pro IPS, anti-AMOLED ou anti-IPS. C'est comme vous voulez. Un écran qui est lumineux, avec ses 1000 nits, c'est plutôt sympa. Un écran de 10 touches, excusez-moi pour cette petite petit problème que j'ai eu. C'est pas ma faute. Donc un écran très agréable. Voilà, rien à dire là-dessus. 10 touches, super, avec des belles couleurs, une belle luminosité. Rien à dire sur l'écran. On passe à la partie logicielle. Alors déjà l'état des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, le boussole, lumière, proximité. Alors ça va me faire comme le Poco. L'autre Poco, en fait, il faut vraiment bien que tu poses ton oreille dessus pour que ça change. Là, ça change pas. Donc, j'ai bien essayé. Vous inquiétez pas, l'écran, il marche. Enfin, le capteur de proximité marche bien. Il s'éteint bien quand tu téléphones. On passe maintenant à la partie, on continue la partie logicielle avec MIUI en version 13 et avec tous ces bugs qui va avec. Exactement comme le Poco X4 Pro, les mêmes bugs. Alors, les bugs, c'est genre, t'appelles, t'as un écran blanc. Tu peux rien faire, mais ça téléphone. J'ai fait une capture d'écran, je vous montrerai ça juste par la suite. Sinon, bon, ben voilà, MIUI, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien optimisé. Donc là, j'ai utilisé le téléphone en 90 Hz pour avoir une fluidité un peu meilleure. Voilà, je suis allergique aux 60 pour ceux qui veulent savoir. Maintenant, donc ça marche plutôt très bien, et là-dessus, bon, c'est bien optimisé, mais voilà, il manquera des petites mises à jour pour régler ces bugs. Bon, mais comme je l'ai déjà dit, avec Xiaomi et leur surcouche, les MIUI, hein, donc dès qu'il y a une nouvelle version, il y a des bugs qui vont avec, c'est un peu dommage, mais bon, c'est mis à jour au fil du temps. En parlant de mise à jour, j'en ai eu une. Qui date du. Alors, avec le correctif de janvier 2022 et février 2022. Du coup, c'est une assez récente, mais voilà, les bugs perdurent. Ce sera pas pour de suite. Donc, on arrive en tout 313 370. Le test le chauffe 33, 34, 35 degrés, c'est plutôt pas mal. 10 touches pour l'écran, je l'ai déjà dit. Le PC Mark, le Geekbench, le premier, le deuxième. Il est bien certifié L1, vous avez la HD sur l'application streaming. Le safety net, il est propre. Une suite logicielle, le NFC. On n'a pas les appels Wi-Fi. Pas sur ce modèle-là. On a le Always-on Display, on a le mode sombre, mais on n'aura pas la possibilité de forcer les applications qui ne sont pas compatibles. On a le mode 60 ou mode 90 Hz. On a. C'est quoi? Je voulais montrer l'application clonée. On a affichage plein écran, raccourci vers les gestes. Donc les gestes, ça va inclure les doubles tapes, les trois touches pour faire les captures d'écran, etc., etc. Une barre latérale intelligente avec des raccourcis, fenêtre flottante, un second espace, les gestures ou les boutons. L'écran blanc. Alors, vous avez vu, je suis en appel. Je suis en appel. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais c'est assez fâcheux, du coup, parce que tu ne peux rien faire. Alors, faut que tu baisses la barre et que tu mettes raccroché. C'est un peu bête. L'autonomie, donc une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 33 watts. Qu'est-ce que ça donne en utilisation normale? Donc, sur une journée type avec 13h28 écran allumé, non, 13h28 d'utilisation, 3h06 écran allumé, 58 minutes d'appel. Oui, c'est assez énorme. J'ai utilisé que 54%. Donc, un téléphone qui, moi, personnellement, me ferait 2 jours. Un peu plus pour les autres parce que c'était une grosse journée quand même. Et le GPS test qui marche très bien, 2 mètres de marge, 27 satellites fixés sur 44. Allez, on passe rapidement sur la partie jeu. Donc déjà, au niveau des graphismes, avec ce Mali G57, si G57, je sais plus. On a quoi? On a en performance moyen et on peut mettre, alors on max, performance graphisme moyen et fréquence d'image élevée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le tactile réagit bien. Donc voilà, tu pourras faire tourner tes jeux favoris, pas dans de meilleures conditions, certes, mais bon, après, c'est un milieu de gamme, c'est 200 € et franchement, pour le tarif, ah, ça bouge pas parce que j'ai pas de réseau. C'est plus simple à les tuer du coup, je trouve. Non, c'est pas plus simple, regardez. Voilà. Bah allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est la partie photo. Donc, comme d'habitude, vous aurez un lien Google Drive, vous pourrez retrouver tous les photos en taille réelle. Si le fait de les voir sur YouTube, ben, tu trouves assez compressé, tu peux les trouver en taille réelle sur mon Drive, avec le lien dans la description de la vidéo, comme dans chaque téléphone que l'on fait. Donc, on a un mode pro, on a un mode vidéo, alors comme le X4. Alors là, ça peut être un peu plus compréhensible. Hein. Tu peux filmer seulement en 1080 30 fps.
Dommage. Dommage pour le 60. Le mode portrait, mode plus, mode nuit, 64 mégapixels, vidéo courte, ralenti, document panorama accéléré. Et ici, tu auras le macro, la taille d'écran, l'intelligence artificielle, le HDR, les filtres et Google Lens. Donc, comme d'habitude, on revient après avoir vu toutes les photos. Je vais revenir avec l'appareil photo frontal. Allez, on se rejoint en 1080 du coup, 30 fps avec cet appareil photo frontal qui vous permettra de faire un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Donc, ben écoutez, alors c'est des no-name, hein. Les trois objectifs photo, même devant, c'est des no-name, ils n'ont pas précisé, on ne sait pas si c'est Omnivision, si c'est. Bon, ça aurait été du Sony ou d'Omnivision ou une marque connue, l'aurait dit. Là, ils ont préféré rien dire. Mais je trouve que le résultat est plutôt probant et plutôt bon pour le tarif de 200 euros. J'ai fait de très jolies photos, je suis assez satisfait. Et ça, c'est le principal. Voilà. De nuit, on voit que ça capte un peu la lumière et que le traitement logiciel associé à la lentille, ça fait un petit effet plutôt sympathique. On a éclairci un peu les zones d'ombre. Le flash, peut-être il manque un peu de puissance. Hein, ça, c'est la photo de la salle de bain. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il est plutôt polyvalent et plutôt correct. Et on finit par la partie son. Bon, le son communication, rien à dire. Hein. Si j'ai rien à dire, c'est que c'est plutôt propre. Et on va maintenant parler du haut-parleur. Haut-parleur, double haut-parleur, Atmos. Pas mal. Enfin, pas mal. Je voulais pas dire pas mal, le son était pas mal, parce que j'ai pas encore donné mon verdict. Non, en fait, non. En fait, alors, il y a un double haut-parleur stéréo, certes,
Mais vous avez pu entendre comme moi. Alors je fais le test à chaque fois, je bouche l'un côté, je bouche de l'autre. Alors quand je bouche en haut, bien sûr, c'est le son d'en bas qui est meilleur, hein, c'est le principal. Et des fois, t'as pas une grosse différence entre les deux, des fois, tu l'as une grosse, et là, t'as une grosse. En fait, là, t'as vraiment du très bon son en bas, mais en haut, t'as du son qui est vraiment dégueulasse. Alors je vous refais écouter. Voilà, donc t'as vraiment une grosse différence. Donc, dire que c'est un double haut-parleur stéréo, oui. Mais honnêtement, non, la qualité n'est pas au rendez-vous. Pour le haut-parleur d'en haut, hein, en tout cas. Hein. Donc, je suis désolé, mais c'est plus un haut-parleur simple, plus un petit truc en plus en haut pour faire style, il y a un deuxième. Mais voilà, non, là, je pourrais pas dire. Pour moi, là, c'est. Je suis désolé, c'est pas du double haut-parleur stéréo, c'est pas possible. Allez, on passe à la conclusion. Alors, conclusion de ce test. Alors. Pourquoi sortir un Poco M4 Pro 3 mois après une version 5G qui, du coup, est devenue moins chère que cette version-là? Les différences, bon, c'est des téléphones différents, je suis d'accord. Il était très bien, ce version 5G. Il était bien. Donc là, mais du coup, hein, vous préférez la version 4G? Franchement, là, je suis perdu. Pourquoi? 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 Je ne sais pas. Donc, on va parler que de ce modèle-là. Un tarif de 200 euros. Qui du coup le place au-dessus que son petit frère ou son grand frère, du coup je sais plus comment le positionner. Un design plutôt sympathique, même si j'aime bien. Et le léger, il est fin. Voilà, la prise en main est un peu plus agréable que celui X4, on va dire. L'écran est AMOLED est plutôt joli, 90 Hz. Le capteur d'empreinte sur le côté, bon, j'aurais préféré sur l'écran, mais c'est déjà bien sur le côté. On va dire que le tarif fait que, même si c'est une marque concurrente, il est sous l'écran au même prix, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Niveau optimisation, bon, y a des bugs, hein. Mi 13 n'est pas encore au point. Pourquoi sortir une version avancée à chaque fois, mais plein de bugs? Ça, c'est pas possible. Bien sûr, ça va être résolu. Niveau photo, c'est bien. C'est bien. On a pas mal de c'est polyvalent, c'est bien. Les photos sont plutôt jolies. Niveau jeu aussi, niveau autonomie, 2 jours, 2 jours et demi, suivant l'utilisation, c'est bien aussi. Mais niveau son, par contre, voilà, quoi. Double haut-parleur stéréo, non, mais non, non, c'est pas possible. Tu peux pas me vendre un double haut-parleur stéréo avec une qualité du deuxième haut-parleur aussi très médiocre. Mais bon, après, c'est comme ça. Allez, sur ce, ben, je vous fais des gros bisous, et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.